Une piscine plus attrayante. Palmiers Transat seront désormais de rigueur à la piscine des Chartreux. Lorsque la chaleur et le soleil seront au rendez-vous, l'esprit vacances y sera également. La volonté de la municipalité troyenne rejoint ici la demande des usagers et pourquoi pas en effet allier l'agréable à l'agréable. La rendre un petit peu plus sexy, la rendre un petit peu plus séduisante. Elle a été conçue il y a donc une trentaine d'années. Sans être péjoratif, c'est une usine à nager, hein. C'est un bassin de 50 mètres qui est essentiellement destiné à la pratique de la natation. Et le fait est qu'elle ne correspond plus aujourd'hui aux attentes de la population en matière de loisirs ou en matière de bien-être. Et ce que nous essayons depuis 2 ans, eh bien, c'est de l'agrémenter d'animation ou d'équipements qui permettent à cette piscine de répondre à une demande plus vaste. Depuis quelque temps déjà, la piscine des Chartreux propose des animations, un succès que la ville de Troyes souhaite voir perdurer. Nous avons pendant l'année passée, un dimanche sur deux, créé des animations autour de structures gonflables à destination des enfants, des familles qui ont rencontré un grand succès. Nous avons également agrémenté le pédiluve de jeux pour enfants, pour très jeunes enfants. Et pendant cet été, nous avons souhaité investir ce solarium qui était un petit peu à l'abandon et donc y installer des palmiers, des transats pour faire en sorte qu'on se croit un peu sur la plage, voilà, et qu'on puisse passer de l'eau à la plage comme en vacances. Comme en vacances.